Bonjour tout le monde, voilà une petite mise à jour du jardin. On est fin avril et j'ai enfin sorti mes plantes exotiques qui ont hiverné à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant encore un peu à l'ombre, le temps de s'adapter au soleil direct. Si vous placez directement les plantes en plein soleil, les feuilles risquent de brûler. Donc cet hiver, j'ai quand même eu pas mal de dégâts. Je ne pense pas que ce sont les températures. Finalement, on n'a eu que moins 9, ce qui n'est pas si froid. Par contre, on a eu beaucoup de changements assez brutaux. On a eu une semaine où il a fait 20 degrés et dans la même semaine, il a fait moins 6, je pense. Et voilà dans quel état se trouve mon butia. Tout l'intérieur a séché, donc ça craint. Comme vous voyez, j'ai tiré une petite ligne pour voir s'il y a une croissance due ou non. Et pour l'instant, la lance est toujours bien attachée. Le Washingtonia, par contre, lui, il va super bien. Comme vous pouvez constater, ma petite ligne ici et l'autre est là. La croissance est bien repartie. Et d'ailleurs, c'est toujours le premier à repartir chaque printemps. Pareil pour l'autre là-bas. Mon Tetrinax ici a perdu toutes ses lances. J'ai traité avec du Cuprex et on va voir s'il va reprendre bien. Le Cycas, il est nickel, il n'a pas bougé. Donc pour l'Albizia, il est encore trop tôt, il faudra encore attendre au moins un mois, je pense, de voir des feuilles apparaître. Pareil pour des turions de mon vivax, le bambou là-bas. Alors mon laurier rose, comme vous voyez, toutes les feuilles ont cramé. Je l'ai nettoyé un petit peu. Voilà, ici on voit que les tiges sont mortes, mais plus bas, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle il ne reprendra pas et que les nouvelles feuilles seront produites. Et comme vous voyez, il a hiverné en pot. Donc franchement costaud. Donc pour le bananier, vous voyez que j'ai dû tout couper à ras. Il a fait trop froid, donc cette couche de mulching n'était pas assez, mais je suis plutôt rassuré que la croissance reprend, comme vous voyez ici et là. Donc ça reprendra avec d'autres jets, et comme les rhizomes sont déjà bien développés, la croissance reprendra avec une vitesse vachement impressionnante. Donc il n'y a pas de raison de passer un été sans bananier.